On a beau sérieusement simplifier une jouabilité en surexploitant tous les appuis normaux de notre manette, avec un maximum de macros directs ou indirects dessus, il est très probable cependant qu'il vous restera quand même encore pas mal de commandes à placer dans les jeux qui en possèdent beaucoup. Vous avez donc, pour l'instant, grâce aux appuis normaux et aux macros associés, fait profiter aux nombreuses commandes emboîtées dessus des meilleurs délais d'activation possibles sur votre Steam Controller. Et il serait dommage que cela change à cause de l'ajout de quelques commandes aux côtés de ces macros. Mais le problème, c'est que dès lors que vous allez utiliser plusieurs activateurs sur un même bouton, c'est précisément ce que vous risquez de faire. En effet, pour ajouter les commandes encore manquantes, qui ne peuvent plus s'emboîter aux macros déjà présents, vous risquez alors d'utiliser des appuis doubles et des appuis longs. Et ces deux types d'activateurs ont justement la particularité, lorsqu'ils se mélangent à un appui normal, de ralentir l'enclenchement de ce dernier, qui ne peut en effet bénéficier d'un délai d'activation optimal que lorsqu'il est tout seul sur un bouton. Dans ce cadre-là, petite différence cependant entre l'appui double et l'appui long. L'appui long mélangé à un appui normal semble toujours retarder identiquement l'enclenchement de celui-ci, quel que soit le timing d'enclenchement de l'appui long. Par contre, le différé que crée l'appui double sur l'appui normal varie en fonction du délai d'enclenchement appliqué à l'appui double. Il y a une façon très simple de constater ce différé que créent les appuis doubles et les appuis longs sur les appuis normaux. Il suffit par exemple pour cela d'ajouter à votre commande du tir en appui normal un appui double ou un appui long qui peut même n'être associé à aucune commande. Mais vous pourriez tout autant faire la même chose sur votre W, A, S ou D. L'idée étant de prendre une commande qui doit réagir vite habituellement, une commande sur laquelle le différé sera donc dérangeant et donc le plus constatable possible. Heureusement, il y a une solution à ce problème, qui n'est pas toujours applicable, mais je découvre qu'elle est applicable bien plus souvent que je ne l'imaginais lorsque je l'ai découverte. Mais avant de vous donner cette solution, je vais rapidement vous expliquer le problème qu'elle résout, et donc vous expliquer d'où viennent ces retards d'activation qu'on vient juste de voir. Pour faire simple, on pourrait dire que lorsqu'on met plusieurs activateurs sur un même bouton, on demande explicitement au logiciel de faire la distinction entre différents types d'appuis avant d'engager une action plutôt qu'une autre. Et à l'inverse, lorsque l'on n'a qu'un appui normal sur un bouton, le logiciel n'a donc aucune distinction à faire. Dit comme ça, ça semble évident, mais il faut réaliser dans le même temps que faire une distinction, ça prend justement du temps, et ne pas avoir à en faire permet d'en gagner. Et donc, en demandant au logiciel de faire la distinction, on lui demande ouvertement d'hésiter, de perdre du temps, et c'est donc la matérialisation de cette hésitation qui va créer le différé qu'on vient de voir. Plusieurs activateurs sur un même bouton, c'est donc contraindre le logiciel à marquer un temps d'hésitation pour identifier correctement le type d'appui que vous venez d'engager, et donc ainsi engager une commande plutôt qu'une autre. Et si le logiciel doit brièvement prendre le temps d'identifier le type d'appui engagé, c'est précisément parce que ces différents types ont des débuts de points communs qui brouillent à leur démarrage leur identification instantanée. L'ambiguïté la plus apparente, c'est celle qu'il y a entre l'appui normal et l'appui double. Ce sont les deux types d'appui les plus délicats à distinguer l'un de l'autre, et c'est pour ça que le différé créé par l'appui double sur l'appui normal est plus important. Pour bien comprendre pourquoi le logiciel tarde potentiellement plus à distinguer l'appui normal de l'appui double, il faut peut-être commencer par dire qu'un appui double n'est potentiellement jamais que deux appuis normaux qui se succèdent. Et si nous avons un appui normal et un appui double sur un même bouton, le logiciel est obligé de marquer un temps d'hésitation après une première pression normale pour s'assurer qu'une deuxième n'est pas sur le point d'arriver et ainsi former un appui double. Et si la deuxième pression tarde trop, il part donc du principe qu'elle n'arrivera pas et valide donc seulement la première pression qui est donc l'appui normal. Et plus la durée d'activation de votre appui double est importante, plus vous autorisez dans le temps d'éloigner l'une de l'autre les deux pressions qui forment ensemble un appui double, et plus vous rallongez alors l'attente d'une seconde pression que le logiciel doit maintenir avant de ne valider que la première. Et plus il mettra donc de temps à valider la pression unique et donc l'appui normal. Pour le différé que l'appui long crée sur l'appui normal, on a vu qu'il est toujours plus léger qu'avec l'appui double et toujours le même quelle que soit la durée d'activation de l'appui long. L'explication du différé est ici plus complexe, et c'est elle qui va nous amener à régler le problème de certains différés dont on a trop l'habitude de se contenter. La première chose essentielle que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il y a une petite arnaque nominative qui se produit dès lors que l'appui normal se mélange à l'appui long. En fait, dès lors que cela arrive, l'appui normal n'est en fait plus un appui normal, mais bel et bien un appui relâché qui se fait appeler appui normal. Et le léger différé invariable que connaît alors l'appui normal aux côtés d'un appui long est donc sans doute uniquement dû au fait que l'activation se fait non pas dans un premier temps sur la pression du bouton, mais dans un deuxième temps sur le relâchement du bouton. Mais il est habituellement à peine perceptible
car comme il s'agit généralement dans ce cas-là d'activer l'appui normal tout en évitant d'activer l'appui long, on a tendance alors à presser le bouton presque aussi vite qu'on le relâche dans la foulée. Et donc, comme la pression et le relâchement se passent ici très vite, il est difficile de savoir lequel des deux mouvements active l'appui normal. C'est d'ailleurs cette petite tromperie qui m'avait amené sur la piste de l'astuce que je vous ai proposée dans Black Mesa pour mélanger le sprint et le rechargement sur un appui similaire. Je vous conseille d'aller la voir, elle pourrait vous servir dans d'autres situations. Mais revoyons ici quand même un peu sa logique. Pour constater cette tromperie, je vous propose de mettre un appui normal avec un appui très long. À ce moment-là, si j'appuie très brièvement, c'est logique, c'est l'appui normal qui va s'activer. Jusque-là, l'arnaque pourrait passer inaperçue car comme il est marqué qu'il s'agit d'un appui normal et qu'on vient de réaliser une pression normale et qu'elle a répondu, on aurait tendance à croire le logiciel sur parole. Mais là où la tromperie devient plus visible, c'est sur le long chemin de pression qui sépare ce soi-disant appui normal en début de course de cet appui très long en fin de course. Autrement dit, sur tout ce chemin de pression qui semble ne contenir aucune commande, qui a lieu après l'appui normal et avant l'appui très long. Comme on pourrait l'attendre, tant qu'on maintient pressé le bouton sur la longueur qu'il existe entre l'appui normal et cet appui très long, eh bien il ne se passe rien. La commande de l'appui normal a été a priori dépassée et celle de l'appui très long pas encore atteinte. Donc c'est en effet normal qu'ici rien ne se passe. Mais ce n'est vrai en fait que pendant le temps de la pression du bouton, et j'insiste sur le mot pression, car par contre au moment du relâchement même très tardif du bouton, même bien au-delà du cadre de l'appui normal, la commande de ce même appui normal s'activera quand même tant que la pression n'aura pas suffisamment duré pour croiser le chemin d'un appui très long associé à une autre commande. C'est quand même bizarre non pour un appui dit normal de ne se manifester qu'au moment du relâchement. Et l'autre preuve qu'il ne se passe vraiment rien pendant toute cette pression intermédiaire, et donc que toute forme de pression est inhibée pendant tout ce temps, c'est que vous ne pouvez même pas appliquer de commande en hold sur ces appuis normaux mélangés à des appuis longs. Car si c'était vraiment la pression qui était prise en compte et non pas seulement le relâchement, comme je l'avance, une commande en hold sur l'appui normal ici devrait donc s'exprimer dès le départ de l'appui jusqu'à au moins l'activation du premier appui long rencontré. Et si ce dernier était aussi loin que celui que j'ai proposé ici, la commande en hold devrait donc au moins se voir pendant quelques secondes. Mais là non plus, ça ne marche pas. La seule manifestation de cette commande en hold se fera donc très brièvement au moment du relâchement, qui comme il ne peut pas par nature être maintenu puisqu'il est relâché, ne pourra donc dérouler que le début de l'animation de cette commande. Cet appui normal est donc un appui relâché déguisé, mais avec une particularité quand même, c'est que son relâchement n'est pris en compte qu'avant un appui long, ou plusieurs appuis longs, après quoi il ne pourra plus activer la commande qu'il porte, alors que l'appui relâché classique ne manifeste normalement sa commande qu'après toutes les activations d'un même bouton, qu'elle soit normale, longue ou double. Et si vous vous demandez lequel de ces deux appuis relâchés sera privilégié s'ils sont tous les deux aux côtés d'un appui long, eh bien si vous relâchez votre bouton avant l'activation de l'appui long, les deux appuis relâchés pourront arriver en même temps, à condition en tout cas que les animations des deux commandes soient compatibles. Par contre, si vous relâchez votre bouton après l'appui long, seul le vrai appui relâché se manifestera. Donc, en bref, on vient d'apprendre qu'en présence d'un appui long, la pression d'un appui normal n'est plus prise en compte, mais est prise en compte uniquement son relâchement. Par contre, l'appui long réagit toujours à la pression, ce qui est logique, puisqu'on décide pour chaque appui long d'une longueur de pression avant que celui-ci ne s'enclenche et que plusieurs auraient pu être placés et activés ici sur cette même pression avant celui que j'ai proposé en exemple. Ce qu'il se passe ici, et vous l'avez peut-être déjà indirectement compris, avec l'évocation des commandes en hold, c'est qu'en fait l'appui normal est recalé au relâchement et la pression réservée aux appuis longs, car une commande en hold placée sur un appui normal, et qui fonctionnerait donc sur une pression maintenue, deviendrait elle aussi automatiquement un appui long, mais appelé appui normal. Et il serait donc à ce moment-là impossible de faire la différence entre l'appui normal et l'appui long. Mais dans ce cas-là, l'effet positif serait justement que chaque commande d'un appui normal serait pour le coup enfin activée immédiatement, mais potentiellement s'additionnerait aussi en macro à la suivante ou aux nombreuses suivantes en appui long. Il était sans doute risqué de proposer ça d'office sans pouvoir s'assurer d'abord que chaque utilisateur a déjà une bonne maîtrise des macros, donc la capacité à emboîter intelligemment plusieurs commandes. Plusieurs commandes qui auraient en effet dans ce cas-là souvent fini par se cumuler en un même appui, sauf qu'elles ne l'auraient pas fait simultanément dans le logiciel comme les macros directs ou indirects qu'on a vu, mais se seraient cumulées au fur et à mesure que la pression se prolonge. Mais comme je vous ai un peu initié à la détection des macros dans les précédentes parties et que vous êtes donc peut-être déjà un peu plus paré pour ce genre d'initiative, c'est plutôt vers cette chose plus complexe qui nous est en l'état refusée que nous allons quand même nous diriger. Et c'est bel et bien possible car si l'activation de l'appui normal est en effet recalée au relâchement, on devine par contre que si la pression est toujours permise à toutes les longueurs d'appui long, qu'elle est alors aussi permise à la longueur la plus minimale des appuis longs, à savoir celle que j'appelle l'appui long minimum.
minimum. Autrement dit, un appui long qui lui aussi porte très mal son nom puisqu'il s'active dès le tout départ d'une pression. Il devient ainsi le véritable appui normal qui nous manquait en présence d'appui long ou d'appui double et qui ne pourra donc plus être retardé par l'un ou par l'autre. Ce qui veut dire qu'il s'activera donc dès le départ d'une pression et non plus sur le relâchement en présence d'appui long, et ça veut dire qu'il s'activera dès le départ de chaque pression d'un appui double et qu'il n'attendra donc plus après une première pression de constater ou non l'absence de la deuxième avant de décider à s'activer. La force de l'appui long au minimum, c'est en fait de rassembler celle d'un début d'appui, à savoir qu'il s'activera directement même au sein de plusieurs activateurs, mais avec la force d'un appui normal tout seul sur un bouton, à savoir qu'il peut en plus prolonger l'effet d'une commande et donc accepter celles qui sont en hold, ce que le début d'appui lui ne peut pas faire. Mais ces deux qualités sont aussi ce qui le rendent difficile à gérer, car comme il arrive toujours avant et potentiellement pendant les autres commandes, cela implique que ses effets sont omniprésents et débordent donc presque toujours sur toutes les autres commandes qui se lanceraient au même moment, ou alors qui le rejoindraient plus tard dans la suite de son activation. Il faut donc que ces commandes soient compatibles avec celles que l'appui minimum active, ou au moins qu'elles ne la gênent pas. Et c'est ici que savoir détecter les macros et prévoir leurs effets redevient nécessaire. Maintenant, rappelez-vous ce que je disais en début de partie, en résumé que le retard d'activation se fait lorsqu'on demande au logiciel de faire la distinction entre des types d'activateurs qui peuvent se ressembler. Que le logiciel met donc logiquement du temps à différencier l'appui normal d'un appui double, puisque celui-ci n'est jamais qu'un appui normal doublé, ou qu'il met du temps à différencier l'appui normal d'un appui long, qui n'est potentiellement jamais qu'un appui normal en hold. Et que c'est donc la matérialisation de cette hésitation qui va créer le différé présent sur l'appui normal aux côtés d'un appui double ou d'un appui long. Mais cette distinction et donc le différé qui va avec n'arriveront pas avec l'appui long minimum, car l'appui long bénéficie en général déjà d'une priorité sur tous les activateurs et donc avant lesquels, à la place desquels ou avec lesquels, il s'activera toujours, mais eux jamais sans lui. Il est en ce sens proche du début d'appui, mais avec la possibilité en plus de maintenir l'effet de sa commande. En gros, c'est le mec qui n'a pas à attendre que les autres passent d'abord, il est le VIP qui a le droit de zapper les fils et de passer devant tout le monde. Il faut bien comprendre que rien n'arrête l'appui long en dehors d'un changement de groupe ou de couche d'action. Et donc que le tapis rouge est déroulé aux appuis longs et que leur activation est toujours latente, qu'elle est toujours en cours à chaque pression même si celle-ci n'a pas encore assez duré pour exprimer la commande associée. Si l'appui long est minimum, ça se verra évidemment tout de suite, puisque l'expression de la commande sera instantanée. Vous pourriez d'ailleurs mettre un appui normal juste à côté d'un appui long minimum et vous verrez que c'est l'appui long minimum qui va prendre le dessus sur l'appui normal. Mais même s'il est plus long et qu'il faut donc un certain temps de pression pour voir la commande associée s'exprimer, vous pourrez déjà constater en avance la priorité qu'il conserve déjà sur certains activateurs dont les commandes sont pourtant censées s'activer avant celle de l'appui long. C'est le cas par exemple avec les appuis d'activation qui en la présence d'appui long ne fonctionnent plus, et ce donc même si la commande de l'appui d'activation est censée arriver avant celle de l'appui long. C'est bien toute la pression qui est réservée dès le début à l'appui long, même pour l'une de ces activations qui arrivera que plus tard. Imaginez l'appui long comme du saut en longueur, avec une jauge de pression plus ou moins longue qui reprendrait la piste de sprint plus ou moins longue qui précède la partie sablonneuse où se fera le saut. Et le saut, lui, correspond au moment où la commande associée va enfin s'activer. Et bien pour que cette commande puisse s'activer correctement, il faut au préalable que la piste de sprint soit dégagée de toute personne, tout comme la jauge de pression doit être libérée de l'intervention potentielle de certains activateurs. Autrement dit, pour que l'activation de l'appui long puisse se faire même très tard, certains activateurs doivent déjà se retirer très tôt pour lui laisser l'élan de son activation, ou pour permettre l'élan d'activation des autres appuis longs plus courts qui seraient présents avant lui. Maintenant que j'ai fait toutes ces précisions sur l'omniprésence de l'appui long en général et par association sur l'omniprésence instantanée de l'appui long minimum, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien comprendre les exemples concrets qui vont suivre. Mais avant de les lancer, je vous repasse ce schéma au ralenti pour bien comprendre ce qu'il se passe lorsqu'un appui long minimum se mélange avec un appui double, puisque c'est le scénario de configuration sur lequel on va se concentrer, car c'est là que les bénéfices de l'appui long minimum sont les plus évidents.
Comprenez bien que c'est donc ce scénario de configuration qu'on va remplacer, car c'est là que les retards d'activation étaient les plus importants, et c'est donc là qu'ils vont disparaître en remplaçant l'appui normal par l'appui long minimum. L'appui long minimum s'active donc inconditionnellement au départ de chaque pression du bouton sur lequel il est. Il activera donc deux fois la commande à laquelle il est associé au moment d'exécuter un appui double du même bouton. Une première fois seul et une deuxième fois au moment de former l'appui double. Ce qui concrètement veut dire qu'au moment de la deuxième pression qui formera l'appui double et engagera la commande de ce dernier, la commande de l'appui long minimum se lancera aussi avec. Et donc, à moins que vous ne choisissiez volontairement sur l'appui double de mettre une commande qui va prendre le dessus sur la commande de l'appui long minimum, par exemple la commande du saut ou la commande du rechargement qui prend naturellement le dessus sur la commande du sprint, eh bien, à moins de faire ça, nous aurons donc forcément deux commandes mélangées au moment de l'appui double, et il faut donc impérativement penser la commande associée à l'appui long minimum, à la fois dans le cadre d'une activation solo, mais aussi dans le cadre d'une activation simultanée avec une autre commande que vous mettrez donc sur l'appui double. Et c'est donc là la difficulté de l'appui long minimum, et c'est donc là que savoir créer des macros qui ont du sens redevient nécessaire. Mais c'est donc utile puisque vous allez au passage vous débarrasser des différés qui étaient présents sur l'appui normal en présence d'un appui double. On va déjà commencer par comparer les délais d'activation pour chacun de ces scénarios, histoire de s'assurer quand même qu'il y a bien un gain dans le passage de l'un à l'autre. Je vais prendre deux commandes identiques de chaque côté, sauf que la première sera sur l'appui normal d'un côté et sur l'appui long minimum de l'autre. Et la deuxième commande sera donc sur l'appui double des deux côtés. Pour la première commande, je choisis volontairement une commande qui doit réagir vite pour qu'on réalise bien le dérangement que va occasionner dessus un retard d'activation. Je choisis pour ça l'ADS et je le mets sur RT comme dans ma configuration actuelle. Pas la peine pour l'instant de savoir ce que je mets sur l'appui double, car sa seule présence, même dissociée de toute commande, suffit déjà normalement à retarder un appui normal. Et comme on peut effectivement le constater, l'appui long minimum réagit bien plus vite que l'appui normal, et donc le remplacement de l'appui normal par l'appui long minimum confirme bien ici son intérêt. Concrètement, ça veut déjà dire que vous pourrez maintenant même disposer des appuis doubles aux côtés de commandes censées réagir instantanément, comme le tir, l'ADS ou même sur votre WASD, sans craindre pour autant de ralentir leur enclenchement. Pas que vous ne pouviez pas le faire avec des appuis normaux, mais c'est plutôt ce que vous n'auriez raisonnablement pas dû faire en temps normal, à moins de chercher à complètement vous ralentir face à des joueurs clavier-souris qui par défaut réagissent déjà plus vite que vous. Je ne doute pas que ça puisse se tolérer sur des jeux solo face à des bots qui sont plutôt lents à la détente, mais dans des jeux compétitifs en ligne, le délai de l'appui normal en présence d'appui double serait trop pénalisant sur des commandes à la réactivité aussi essentielle. Mais maintenant qu'on peut bénéficier de cet avantage, il faut quand même en maîtriser les contraintes associées pour que n'en ressorte que du positif. À savoir donc que la commande de l'appui long minimum va s'exprimer deux fois au cours d'un appui double. Une première fois à mi-chemin de l'appui double, au moment de la première pression qui va le constituer qu'à moitié, et une deuxième fois en même temps que l'appui double se finalise et engage donc aussi sa commande. Et les deux commandes se prolongeront à l'unisson si les deux commandes fonctionnent en hold. On le voit dans notre exemple de l'ADS que j'ai donc repris ici et auquel j'ai ajouté la commande pour changer de viseur sur l'appui double. Donc ici, si j'appuie normalement sur RT et que je le maintiens pressé, je n'aurai que l'ADS qui va s'activer normalement en hold. Mais si j'active l'appui double, on va rapidement voir l'ADS s'activer et se désactiver une première fois sur le premier appui relâché de l'appui double, mais il se réactivera sur la deuxième pression qui finalisera l'appui double tout en s'associant cette fois-ci avec la commande de l'appui double qui est donc ici le changement de viseur. On est libre à ce moment-là de maintenir ou non l'ADS en fonction qu'on veuille juste changer de viseur sur notre sniper par anticipation d'une future confrontation ou de le maintenir déjà actif si nous sommes déjà prêts à l'utiliser dans une confrontation en cours. Mais il ne s'agit que d'un exemple, car les possibilités sont nombreuses. Vous pourriez aussi très bien mettre sur ce même appui double la commande pour s'allonger par exemple, ce qui permettrait toujours de pouvoir utiliser simplement l'ADS tout seul, sans aucun retard d'activation, mais aussi en association avec la commande pour s'allonger sur l'appui double, ce qui pourrait probablement déjà vous éviter de consacrer un bouton à part pour la commande de l'allongement, et libérera donc encore de la place sur votre manette. Ce qui pourrait aussi se faire en disposant l'allongement sur l'appui double de LT, là où se trouve l'accroupissement en appui long minimum, ce qui marche bien avec le visuel du jeu, car on a l'impression en appuyant une seule fois de demander au personnage de descendre de la moitié de sa hauteur et donc de s'accroupir, et en appuyant deux fois on a l'impression de lui demander de descendre de la totalité de sa hauteur et donc de s'allonger. En gros, chaque pression fait descendre le personnage d'une moitié de hauteur supplémentaire. Mais il faudra ici mettre l'allongement forcément en toggle, car si les deux commandes restent en hold, elles n'arriveront pas à s'emboîter correctement. Mais pour l'allongement, le toggle pourrait être pratique, donc ce n'est pas un problème. Par contre, laissez à tout prix l'accroupissement en hold, mais ça on en
reparlera dans les prochaines parties. Sur l'appui double de RT toujours, j'ai dans ma configuration par exemple en macro indirect et donc contextualisé cette fois-ci, la possibilité de partager mes items en deux tailles identiques. On en revient ici aux enseignements des précédentes parties, mais simplement appliqués à des appuis doubles, auxquels il ne faut pas hésiter non plus à appliquer des macros indirects, surtout que ce macro indirect correspond bien visuellement dans le jeu à ce que je fais physiquement sur la manette. Je partage un item en deux tailles identiques en appuyant rapidement deux fois sur RT. Je peux d'ailleurs réeffectuer la même manipulation à partir des deux tas disposés au sol et en soustraire encore la moitié de ces deux moitiés. Mais sur ce même appui double, vous pourriez quand même empêcher l'expression d'un macro même si celui-ci semble automatique. En effet, bien que vous aurez toujours deux commandes qui s'activeront en même temps dans le logiciel, ça n'empêche pas que l'une puisse empêcher l'autre de se manifester dans le jeu. Comme dans mon ancien système d'inclinaison par exemple, où je vous montrais que le sprint permettait d'annuler une inclinaison, ce qui devenait un avantage. Ici, la DS peut être interrompue par la commande du rechargement par exemple. Sur l'appui partiel de RT dans ma configuration se trouve en appui long minimum et en hold le sprint. Toujours en hold, si j'appuie double sur RT, je marcherai cette fois-ci. La simultanéité des commandes ne donnera non plus pas ici un macro, car la commande de la marche va s'imposer à celle du sprint. D'ailleurs, en appui double sur la map, vous pourrez aussi effacer le ou les points de rendez-vous déjà marqués. Je vais m'arrêter là pour les exemples, mais sachez que je suis passé par plein de variations de cette même configuration, avec des petites différences qui pourraient peut-être mieux vous correspondre. Donc n'hésitez pas à me demander des alternatives, j'en ai quelques-unes en stock, surtout si vous bloquez sur certains détails qui vous dérangent. Par exemple, je crois que j'ai une idée intéressante pour avoir sur la même pression de la poignée gauche à la fois la commande du saut qui fait aussi escalade et le saut justement qui ne le fait pas, tout en ayant la possibilité quand même de distinguer le moment d'utilisation de chacun de ces sauts. Sinon, dernière parenthèse, sur l'appui long minimum, vous pouvez d'office l'installer à la place de tous vos appuis normaux même lorsqu'ils sont seuls sur un bouton. C'est chez moi devenu un réflexe, un paramétrage par défaut, tellement celui-ci m'a apporté de bonnes surprises. Comprenez bien qu'au pire, un appui long minimum seul sur un bouton à la place d'un appui normal seul sur un bouton donnera les mêmes résultats, et qu'il est donc déjà intéressant de l'installer même tout seul par défaut, simplement en prévision d'un appui double qu'il faudrait rajouter plus tard sur le même bouton. Mais au mieux, vous allez même peut-être découvrir des petites subtilités en faveur des appuis longs minimum, même lorsqu'ils sont seuls sur un bouton. Par exemple, dans Red Dead Redemption 2 et dans PUBG, j'ai découvert que la cadence des turbos des appuis longs minimum était supérieure à celle des turbos en appui normal, qui ne peuvent parfois égaliser celle des appuis longs minimum que si l'on reproduit plusieurs appuis normaux en turbo sur un même bouton, et même parfois en devant les décaler en rythme les uns des autres pour créer des turbos en temps et en contre-temps, et ainsi battre une mesure la plus saturée possible. Ce qui ne donnera au final jamais que le résultat d'un seul appui long minimum en turbo maximum. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien des zooms et des dézooms plus rapides dans vos lunettes de sniper par exemple, ou dans vos maps, c'était d'ailleurs le cas dans Red Dead Redemption 2, ou des défilements haut et bas plus rapides dans vos inventaires ou options de jeu. Ou alors, et c'est assez intéressant, ça va débrider la vitesse de feu de vos armes, qui avait réussi à être limitée sur les turbos des appuis normaux pour empêcher certaines cadences de tir trop élevées. Ce qui pourrait apparaître comme de la triche, mais la vérité est plus nuancée que ça. Car au final, en plafonnant la cadence du turbo en appui normal, les développeurs, en même temps qu'ils réduisent la cadence de tir un poil en dessous de ce que permet déjà le jeu au naturel, ils réduisent aussi ainsi le recul des armes à ce moment-là. Ce qui pourrait être aussi vu comme de la triche finalement. Par contre, sur ce même mode de tir automatique, le turbo débridé de l'appui long minimum permet en fait juste de revenir à la cadence de tir habituelle et en gros, ne change donc rien ici aux paramètres de jeu par défaut. Mais prouve déjà en ce sens qu'il est plus rapide que le turbo de l'appui normal, même si ici ça n'apporte rien de spécial. Par contre, avec le turbo de l'appui long minimum, la cadence de tir des armes en tir unique ou en tir de rafale devient effectivement supérieure à la normale. Mais du coup, elle est aussi très difficilement contrôlable. Surtout à la manette. Je vous défie d'ailleurs de gérer le recul d'un SKS, d'un SLR, d'un Mini 14 contre une cible mobile au Steam Controller et avec un turbo maximum dessus, et avec la grosse lunette de sniper qui va généralement avec ce genre d'arme, et vous verrez qu'on est plutôt proche de l'exploit que de la triche. Mais sur les tirs uniques et avec certaines armes, le turbo de l'appui long minimum peut quand même se stabiliser dangereusement à partir du x4 ou plutôt du x3, et surtout en dessous avec les points rouges. Mais à condition surtout d'avoir équipé votre arme des extensions réductrices de recul et de s'allonger avec les x4 ou les x3 et d'au moins s'accroupir avec le point rouge. Mais là aussi cet avantage est à relativiser car la cadence de tir reste difficile à gérer, surtout en combat réel et non contre un mur, et en plus cette cadence s'imposera du coup aussi à vos grosses lunettes de sniper où elle continuera de poser clairement problème. Ou alors il faudra compliquer votre configuration et créer une couche d'action ou un mode alternatif dédié à ce turbo et penser à le mettre en route à certains moments et pas à d'autres. Ce qui n'est pas franchement très pratique dans les jeux compétitifs en ligne où il vaut mieux éviter au maximum les détours pour réagir très vite.
En vérité, seules les armes de poing semblent bien profiter des turbos, mais pas forcément de celui de l'appui long minimum, dont la cadence supérieure se voit peu sur ces armes. Un peu comme les coups de poing dont la cadence d'enclenchement reste limitée naturellement, que ce soit avec un clic très rapide de souris ou avec l'un ou l'autre des turbos. C'est d'ailleurs sur les coups de poing que je profite personnellement du turbo, et c'est surtout le confort de prise en main que le turbo permet ici qui est vraiment appréciable, à savoir celui d'un tir rapide en pression maintenue du clic du pavé tactile, ce qui permet une visée plus stable au moment du coup de poing, ce qui n'est vraiment pas de trop sur une manette avec gyroscope dont le mouvement répété de pression d'un bouton pourrait créer beaucoup de mouvements involontaires, ce dont une souris ne souffre pas grâce à l'emprise ferme qu'on a manuellement dessus et par la table en dessous, et ce même lorsqu'on clique très rapidement dessus. Donc ici, on se met plutôt à peu près au niveau de stabilité d'une souris sans prendre d'avance injuste. Bref, au final, à vous d'utiliser le turbo raisonnablement dans des situations de confrontation où son bénéfice est équilibré, et sans aucun complexe par contre, en appui long minimum dans vos zooms de sniper ou de map, ou dans vos défilements d'options ou d'inventaire, où il vous permettra donc d'effectuer toutes ces actions plus rapidement qu'avec le turbo de l'appui normal. Voilà, je vais en rester là pour les quelques exemples d'utilisation des appuis longs minimum. Je vous invite cependant à aller voir ma vidéo sur Black Mesa à partir de la 21e minute où j'aborde un autre exemple plutôt original d'appui long minimum avec cette fois-ci un vrai appui relâché. Aussi, avant de terminer cette partie, je vous donne une dernière petite astuce pour vos délais d'activation et plus particulièrement vos appuis longs plus classiques. Je pense qu'on a tous l'habitude de régler la longueur de ces appuis longs sur 3 crans vers la droite, ce qui semble en effet être le meilleur délai d'activation, car à la fois suffisamment long pour éviter d'être confondu avec l'appui normal, mais aussi suffisamment court pour ne pas sembler trop lent à l'enclenchement. Mais je vous conseille en fait de la régler sur 2,5 crans, ce qu'il faudra faire à partir de votre fichier de configuration et non pas à partir de l'outil de configuration. Commencez par donner un nom bien visible à votre sauvegarde et aussi aux commandes des appuis longs dont vous voulez modifier la longueur. Ensuite, allez dans votre disque dur et dans votre dossier Steam, et à partir de là, tapez directement dans le petit moteur de recherche le nom de votre sauvegarde, ça sera plus simple pour la trouver. Une fois repéré, ouvrez ce fichier avec Notepad++ et une fois dedans, tapez Ctrl+F pour trouver dans tout ce charabia l'intitulé exact de votre commande. Une fois isolé, repérez la ligne Long Press Time qui devrait être suivie d'un chiffre, sans doute 225 si votre appui long était réglé sur 3 crans, chaque cran correspondant en fait à 75 unités, donc là il s'agira tout simplement de régler la longueur entre 150 et 225, donc à peu près à 185-190. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder cette modification et n'oubliez pas de recharger votre sauvegarde une fois en jeu, même si vous êtes déjà dessus par défaut.